dans mon téléphone parce que mon passeport est précisé à l'aéroport quand je suis arrivé. Ah, vous êtes arrivé. Parce que par une réquisition, l'avocat général Bainamoui, Libota, Libota, Malengisa, oui. Prénom pays. Né le 15. Vous êtes né. Le 15 février 1979 à Kinshasa. Je suis marié et père de 4 enfants. Marié à qui? À Christelle, Mala Christelle. Votre profession? Avocat, Varouka. Des affaires foncières à Tulou. Actuel. Et membre de mon parti. Et donc j'étais le directeur. Ça combien? Il avait déjà réorganisé son cabinet secrètement non officiel et l'a rendu officiel le 3 août. Donc depuis le 8 avril 2020, j'ai cessé d'exercer en tant que directeur de la cabinet parce que j'étais chez moi, je ne venais plus. Je me suis concentré au combat politique, comme vous le voyez dans les villes, à la prison de Matin. Et j'ai adossé à M. Perry. Aza propriétaire et immeuble Mobe Awana avenue de la paix numéro 8 dans la commune de la Gombe. Immeuble dit hôtel des poules. Il y a un réseau de gens où il y a arraché l'immeuble. Il y a un tribunal qui a eu jugement moro par défaut contre lui. Pourtant, il habite l'Europe. Il y a un jugement moro qui a rendu par défaut contre lui. Il y a un pour ça la opposition. Et sur base de l'opposition, c'est comme ça que l'audience est le cas qui est là. Le tribunal des gens en délibéré, tout c'est là. Tout là, c'est un tribunal que le Pangouana est à M. Perry et que nous sommes en Mayuya, en Kobatama, que c'est en violation de la loi. Et j'ai battu le bateau, le cabas arraché, moi, immeuble, encore, j'ai en Gombe, moi, jalousie, wana, donc. Grosso modo, c'est un peu ça les dossiers. Puis je pense que j'ai le jugement, moi, à malade, moi, qui aura conforté, bisounier surtout, parce que je promouvoir la vision chef de l'État sur l'état des droits et puis voilà, les procès équitables. Donc c'est un peu ça. Toujours ça l'effort que Mme Otomoni, la défunte, Mme Otokoufa Yvonne, m'a bombé pour Nanda Kounaye, et bandé la maté pour un dossier Oyo. J'aime ça dit que toi, il y a bien avant, c'est comme ça que tu rentres dans le pays public. Sunga orphelin à 1 dollar. Alia Amela Alata. Initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe. Na 1 dollar na you, tu peux sauver une vie. Notez bien. Descente et cause la bongo na ba orphelina. Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la livre un souvenir et un fond. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Iboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité. 1 dollar pour nous offrir. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga, Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar, 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo.
Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Tu as un poste à tout séparer. Ça bonne à 1 dollar à Pamba. Et qu'on foute là, orphelin mon classe. Tu payes ça 1 dollar à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, l'eau sauté, sauce sauté, foufou ya koliati. Tu bimis à Christ et 4 personnes. Tu payes ça. Na autres ont 1 dollar. Na linga orphelin, na on a lobby. 1 dollar na biso. Y'a n'en a l'eau baboué. Benga na numéro 1. Opesa 1 dollar non nenga na opesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kutina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oya koboya kopesa 1 dollar na ONG vide pona kusunga bana tike, façon na ko papole la yen ako lapa. C'est le pasteur l'été ya kanda mutakala na kolo. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a une sœur Cathy Munga? Nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes internes tout comme externes. Infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue. Mon tout passe intense, sinusite. Ah ouais, la zone en quatre est un laboratoire. Ah, on débise quand on sait chaque ma plante, banzete, bah ma casse est endengue, endengue. Depuis là, y a moi yo, et si quand on sait la ca, ma formule, na ma solution là. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Eh yeah, bino batu, oh vous en a posé votre tine d'abilor pour nabino, et comment la tissa ça? Na ndenge kaka botieli bo hésitete agence ezaka ka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila yewane azala ka mundelete azala ka mutu mwindu na moma ya confinement Zibe service a meme ni biso biloko na biso na mbula moko conteneur ko kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence un autre Mobimba et qui calca comme encore si bien service et en arène par numéro benga yango wana vous benga si bien service et ça vous salle à mon salaire à wana qui sasa et ça bongo place ya boubunga te na Saint-Thérèse na simaya station mbala moko za Mobimba à face na yango la police si bien service et ça wana pas de bichot toza kaka na qui sasa te toza na Angola. Toza na Braza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Les bango na moment ya confinement, na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete et komi, na kezo ya ngai. To ba congolais, bobi ba réalité nini to passer na ngo na mboka. Ce qui est simple individu, l'indimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a osala ngonga moko, c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batunyo so bazaka sensible pe bazana motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka. Référence ya monene tukanga mina université kimbangiste aveni kombo nango eza marin numéro 16 numéro téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambo la bato nyoso ba ko assister biso merci beaucoup. Chalupa et consort contre les cités matérielles. Son maître Noël nous a parti. Monsieur Philippe Chalupa. Dans sa peau, le premier. C'est zéro. C'est zéro. Son but bas combien? Oui. Vous en comparez dans la salle. Conjointement avec l'avocat Oumarou. L'audience de ce jour 22 novembre notifiée
à l'opposé, c'est Irish Manono Ndala. En ce terme, étant à son adresse, ne l'ayant pas trouvé ni parent, la parole à Madame Mireille n'a autrement identifié sa belle-sœur de jeune âge ainsi déclarée. Après l'opposé, ne comparait pas ni personne pour son compte. Et à son égard, sur l'exploit régulier des notifications d'opposition et citation à comparaître, l'opposant comparaissait comment? Comparaison volontaire. Oui. À qui plaise à votre aide. Monsieur le procureur. Le président, tel que signalé tout à l'heure, vient en opposition contre les jugements rendus par votre par défaut par votre tribunal sous RP 27813 en date du 19 août 2021. Comme ces deux règles, votre tribunal va devoir statuer à nouveau sur l'ensemble de l'affaire, nous allons devoir nous appuyer sur la citation directe qui a saisi votre tribunal en 2021 au du 7e jour du mois de juillet, puisque c'est là que c'est dans cet exploit qu'il est repris les préventions reprochées à notre client. Nous avons, avant d'examiner cette cause au fond, un moyen sur la forme à soulever devant votre tribunal. Ce moyen est... Attendez d'abord. Acté, madame la greffière. J'ai au dossier un acte d'opposition numéro 0018. Quel motif le tribunal statuant publiquement contradictoirement l'égard du citant Irish Manono Ndala et par défaut à l'égard du cité du Bota Malengi Saperi, le ministère public a entendu, vu la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, fut tel que modifié le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, fut tel que modifié le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Irrécevable mais non fondé les moyens de l'incompétence matérielle tribunal de séance soulevé par le ministère public. En conséquence, il est établi en fait comme un droit l'infraction de faux en écriture et d'usage de faux commis par un fonctionnaire à charge de cité Bota Malengisa. En conséquence, les condamne à 5 ans de certitude pénale principale et à une amende de 800 000 francs congolais et 30 jours de certitude pénale subsidiaire à défaut de paiement dans les délais légaux. Reçoit et dit fonder l'action civile de M. Irish Manono Ndala en conséquence. Lui alloue 5 000 $ américains qui valent en francs congolais à titre de dommages et intérêts payables par chaque revenu pour travail. Mais le frais d'instance à charge du cité, avec possibilité de subir 7 jours de contraintes par port en cas de non-paiement dans les délais. Le jugement vous a été signifié comme.
L'application est comment? Le jugement n'a jamais été signifié. Vous avez eu connaissance. Comment il a eu connaissance de cette décision? Qui dirait c'est quand on prétend qu'il n'a jamais été signifié? Et comment? Comment on a eu connaissance qu'il y a eu une décision? Je prononce que la partie citante avait déposé quelque part. Et c'est par rapport à ça qu'on a eu connaissance qu'il y aurait un jugement. Pas une signification, mais il y aurait un jugement. On a pris connaissance du jugement. Voilà. Et pour une bonne administration de la justice, une œuvre que l'opposant a fait défaut à ses jours, qu'on a reconnu le défaut. Mais nous, nous voudrions qu'on partit au procès, solliciter au tribunal une courte remise. Une remise, pourquoi? Parce que il y a certaines choses qu'on doit nécessairement. Vous savez que c'est une action qui est venue par citation directe. Et on a forcé notre maire, et que vous voyez même sur cette action, l'officier de Michel Poukaï m'a soulevé certains préalables qui tenaient à les passer où, et qu'il a rendu sa décision. Nous, on voudrait, monsieur le président, si le tribunal pouvait remettre en une semaine le temps de re-signifier encore la partie bénéficiaire de cette décision, parce que c'est la partie qui est mieux placée pour nous amener les éléments, parce que la manière dont on a été informé de l'existence de cette décision crée un peu de doute. Et de peur qu'on ne puisse pas voir quelqu'un d'autre venir avec un acte de signification attestant qu'il a été signifié, qu'on est venu faire l'opposition de là et de là. Nous estimons que pour une bonne administration de la justice, c'est mieux d'accorder la dernière remise pour que je crois qu'il est bon d'obtenir une décision contradictoire et aller de défaut en défaut. Je dis et je remercie. La requête du ministère public est inopportune pour le moment, étant donné que l'opposant, donc le client, est résident en France. Donc il est venu justement pour cette opposition qui, au regard de la loi, requiert sa comparution personnelle. Alors, le ministère public émet des doutes sur la manière dont l'opposant a pris connaissance de la décision rendue par défaut par votre tribunal. Nous répondons simplement que le tribunal a les dossiers. S'il y a un exploit des notifications, mais cette décision rendue par le défaut, le tribunal a tous les temps pour le constater, séance tenante, parce qu'au regard de la loi, au regard de la loi, si un acte de signification apparaîtrait ou réapparaîtrait par miracle à l'audience de remise, on sait comment, parce que le tribunal a tous les dossiers devant lui. Les originaux, naturellement, comme c'est la règle, sont versés au dossier. Il n'y a pas d'acte de signification de ces jugements. Il n'y a pas à supputer sur une hypothétique notification de cette décision. Donc, nous avons dit que nous avons une contrainte matérielle tenant à la résidence de notre client qui pourra voyager dans moins d'une semaine carrément. Donc, le fait de renvoyer à deux semaines et assurer sa comparution personnelle nous paraît un fait, en tout cas, matériellement intenable. Voilà ce que nous avons à dire. On aimerait bien que ce soit acté. Est-ce qu'on peut vous laisser un bon bout de temps? Parce que d'ailleurs, avant de vous présenter par les vous, on a pris le soin de vérifier au greffe tout à l'heure, plusieurs fois, s'il y avait un acte de signification de ces jugements. On a dit que ces jugements n'ont jamais fait l'objet de signification. Pour preuve, les dossiers sont devant vous,
trouver compte ici, vous trouverez nullement la mention de la syndicat SASPC. C'est comme ça qu'on aurait bien que ce soit acté, que ce jugement n'a jamais fait l'objet des significations. Eh bien, on a retenu des fois puisque notre parti n'est pas là, si on peut trouver. Il n'y a jamais eu de signification. Parce que la loi subordonne signification. Aucune signification, aucun délai n'est court. Donc il y a une procuration spéciale remise à mon estimé confrère Raoul Nguibas. Il a formulé opposition en date du 20 septembre. Ce jugement n'a jamais fait l'objet d'une signification. Nous pensons que à ce stade de la procédure, c'est au tribunal de nous répondre précisément, comme c'est un moyen d'ordre public, parce que, à en croire les supputations du ministère public, le tribunal pourrait, au regard de pièces versées dans le dossier, nous dire à ces jours si l'opposition est recevable ou pas. Voilà. Vous avez la parole. Merci, merci, Monsieur le Président, de la décision attaquée, dont opposition à ces jours. Il y a eu une phrase sur le moyen de l'incompétence soulevée autrefois par le ministère public. Nous allons réitérer ce moyen. Autrefois, c'était par... Justement, dans l'interprétation de l'opposition, il a dit en son temps qu'il avait soulevé le moyen d'incompétence. Oui. Et qu'en rendant la décision, le tribunal avait passé outre ce moyen. Oui. Si il sollicitait la remise, c'était pour lui permettre de compulser les dossiers revenus sur ce moyen. Donc c'était juste une question. Vous pouvez évoluer comme nous avons déjà pris l'option d'instruire. Oui. Nous allons instruire. Mais c'était un moyen du ministère public. Oui. Il voulait se rappeler, laissez-moi dire, de baisser le dossier pour rebondir sur ce moyen-là, puisque l'instruction revenait à bord. Oui. Le ministère public est libre de reconduire ses moyens ou pas. Mais nous, en tant qu'opposants, nous le soulevons. Nous soulevons ce moyen. Nous savons qu'il est des droits. Le ministère public, on l'a forcé la main par citation directe. Mais naturellement, c'est notre contradicteur. Donc il pourrait ne pas soulever ce moyen, c'est son affaire. Mais nous le soulevons. Nous soulevons ce moyen lié à l'incompétence matérielle de votre tribunal. Qui a saisi votre tribunal pour faux, d'abord, a parlé de faits prévus et punis par l'article 125 du Code pénal livre 2 congolais, pour reprendre exactement dans le terme de l'exploit. Voilà. Et puis, il y a ensuite son usage, l'usage du faux, et il a parlé des faits prévus, le citant, et puni par l'article 126 du Code pénal livre 2 congolais. Là, je reprends exactement le terme de l'exploit. Notre moyen sur l'incompétence de votre tribunal se résume comme suit. Nous lisons d'abord le terme de la loi du Code pénal en son article 125, tel que libellé par le citant, dans son exploit originaire. S'il est faux, a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et l'amende à 5000 zaïres. La compétence de votre tribunal est fondée sur pied de cet article 125 du Code pénal congolais livre 2. Notre client, l'opposant, n'a jamais été fonctionnaire de l'État. Premier fait. Deuxième fait, agent de l'État. Est-ce qu'il l'a été? Évidemment, il a été
directeur de cabinet du ministre aux Affaires foncières, ayant dans ses attributions les affaires foncières, jusqu'au mois de juillet 2020. Lors de la citation, lors de cette citation directe, dans mon téléphone parce que mon passeport a été saisi à l'aéroport quand je suis arrivé. Parce que par une réquisition, l'avocat général Bahinga Moui. Non, vous commencez par les noms. Libota. Libota. Malengisa. Oui. Prénom Péry. Né le 15. Alors, vous êtes né. Le 15 février 1979. Oui. À Kinshasa. Kinshasa. Vous êtes fils de. Fils de Bembo. Bembo. Colette. Vous êtes originaire de quel village? État civil. Je suis marié, père de quatre enfants. Marié à qui? À Mala Christelle. Mala Christelle. Père de quatre enfants. Votre profession? Avocat barreau de Paris. Avocat barreau de Paris. Donc. Reprenez par main la croix bien entendu de la fin. 8 allée du buisson de la bergère. Continuez par y aura des questions en rapport avec ce que vous avez avant. Oui, d'accord, tout à fait. Vous étiez le cabinet de quel ministre? Le ministre ayant dans ses attributions, directeur de cabinet adjoint. Adjoint. Oui. Birkaba. Oui. Ouais, du ministre ayant dans ses attributions les affaires foncières jusqu'au mois de juillet 2020. C'est ça? 20 2020. Oui. Alors, les actes attaqués par le citant. Les actes attaqués par les citants sont la procuration spéciale établi en date non pas du 13 août 2020 comme signalé de façon erronée dans l'exploit qui vous a saisi sous le RP 27 813, mais c'est la procuration spéciale datée du 31 août 2020. Voilà, là c'est le premier acte. Et le second, c'est non pas l'attestation des cessions d'immeubles datée du 18 février 2015, ce qui est faux, mais au contraire, l'attestation des cessions d'immeubles qui date du 15 février 2021. Je crois qu'on peut le produire pour la clarté du débat. Nous le produisons. Dans la procuration spéciale du 21. Nous allons produire tous les deux actes, Monsieur le Président, pour qu'il n'y ait aucun mensonge dans ce que nous allons dire devant votre tribunal. Voilà. Et contrairement à la fausse assertion, comme le tribunal les constate ensemble avec nous, que ces deux actes sont établis à l'étranger, précisément à Athènes, la capitale de la Grèce. Et pendant que ces actes étaient établis, Monsieur Péry Libota n'était plus Birkaba du ministre des Affaires foncières. La procuration spéciale du 31 août 2020, où l'attestation des cessions du 15 février 2021 portant organisation et fonctionnement sur la composition du cabinet du ministre
ayant déjà fait procès à ces attributions, nulle part, ouvrez les noms de notre client. Ici, nous sommes déjà les trois. Alors, en date du 3 août 2020, il y a le cabinet qui compose le ministère des Affaires foncières. Vous ne verrez nulle part la présence du nom de l'opposant. Donc, quand la loi parle pénale pourra être portée à 10 ans pour cristalliser votre compétence matérielle, ne saurait être appliqué à cette cause pour la simple et bonne raison qu'en ce moment où votre tribunal était saisi, il n'avait plus de fonction de directeur des cabinets et les actes qui sont attaqués, réprochés, attaqués en faux, ont été établis à l'étranger. Donc, ça aurait été impossible que ces actes soient commis dans l'exercice de ces fonctions. Donc, en quoi le tribunal des grandes instances de Kinshasa pourrait s'arroger ce droit de juger notre client, alors qu'il va décliner son identité, il ne rentre pas ni dans les prévisions de l'article 125, mais au contraire, dans les prévisions de l'article 124 du code pénal congolais livre 2, tel qu'il est indiqué dans la Constitution, nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue, lui assigne. Donc son juge naturel, c'est le tribunal de paix. Donc vous, tribunal des grandes instances, en rendant cette décision, vous étiez matériellement incompétent pour vous prononcer sur cette cause. Donc, notre premier moyen lié sur la forme est clairement axé sur l'incompétence de votre tribunal. Donc, vous allez vous dire, vous déclarer incompétent tout en rétractant la décision dans opposition. Dans toutes ces dispositions, et ce sera justice. Comme il n'y a pas de contradicteur à côté, on aurait dû s'étendre largement sur cette question, mais nous disons simplement que vous étiez, en date 19 août 2020, matériellement, puisque cette compétence est expressément, étant donné que nous sommes en matière répressive, expressément d'attribution pour le tribunal de paix, peine maximale 5 ans, vous, peine dépassant 5 ans et la peine des morts, et ainsi de suite. Donc, nous disons que vous allez rétracter cette décision en vous déclarant incompétent matériellement, au regard de faits, des actes produits sous vos yeux et qui sautent et qui crient d'eux-mêmes. Voilà. Et vous avez cessé d'exercer les fonctions de Rekaba quand ? Le 2 ou le 3 juillet. Parce que, juillet 2020. Si je dois remonter vraiment les affaires foncières actuelles, et moi, moi, mon parti, et donc j'étais le directeur. Il avait déjà réorganisé son cabinet secrètement non officiel et l'a rendu officiel le 3 août.
depuis le 8 avril 2020, je n'ai cessé d'exercer en tant que directeur de la mairie parce que j'étais chez moi, je ne venais plus. Je me suis concentré au combat politique, comme vous le voyez dans les vidéos, à la prison de Macaque. Voilà, l'occasion nous est donnée encore de plus pour renchérir sur ce que nous avons soutenu l'autre fois, dont nécessitait la rétractation de votre décision. Lorsque je prends les dispositions de l'article 125, voilà ce qui est dit là. Si les faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions, vous savez, monsieur le président, il y a ceux qui croient que... C'est-à-dire, je mets de côté, même dans l'extrême où il serait fonctionnaire, monsieur le président. Mais les actes qu'il a fait, ce sont des actes privés, une procuration. Monsieur le président, on poursuit un fonctionnaire. On parle du fond. La loi est claire, comme l'eau claire dans un verre clair. C'est lorsqu'un fonctionnaire commet un faux dans l'exercice de ses fonctions, à cette qualité, vous commettez un faux. Mais un fonctionnaire, c'est une personne comme tout autre. Qui peut avoir même ses affaires privées chez lui à la maison? C'est comme aujourd'hui, les gens qui croient que quand on est un militaire, voilà, un militaire ne peut pas avoir une dette ou quoi que ce soit, et à tout moment, il faut l'amener chez le militaire. Non, monsieur le président. Le fonctionnaire n'est poursuivi que sur des actes qu'il aura commis pendant l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, en état fonctionnaire, il peut poser ses actes personnels à la maison, il ne peut pas venir le poursuivre comme. Non, parce que ce n'est pas à l'exercice de ses fonctions. Quand cela tient, monsieur le président, au-delà de ça, la partie citante n'a produit aucune preuve soutenant ces allégations que ces actes qui sont envers vous ont été posés à l'exercice de ces fonctions. Au-delà de ça, il vous a été démontré depuis par elle-même que c'est un simple monsieur comme tout autre. Il a signé des actes qui, d'ailleurs, il faudra vérifier si ce sont des faux ou pas. Donc, votre tribunal est matériellement incompétent parce que la compétence est d'attribution pour les infractions punissables de 1 à 5 ans. Les juges compétents, c'est le juge du tribunal de paix. Et passer outre, c'est violer les dispositions constitutionnelles qui veillent à ce qu'aucune personne ne soit soustrait de son juge naturel. Et que vous n'êtes pas le juge naturel de prévenir ici des vertus de vos besoins. Sinon, non seulement, mais vous allez le priver. Quoi? Parce qu'il a droit d'agir, de bénéficier de plusieurs décrets des juridictions, de double également appel et cassation. Donc, je crois avoir dit, et je vous remercie parce que je sais que le faire, vous rendrez justice à la nation. C'est clos le débat. On a délibéré ce moyen. Prendre sa décision plus tard le 1er décembre. 2021. Votre petite note de préliminaire et pièce. Vous vos pièces, vous allez produire ça avec la note de préliminaire. Monsieur Franck Kaki Nantona. Maître Mbote, là. Oui, Mbote. Maître, Tony, tout au moins, éclairage. Par rapport à l'audience, il y a l'élo, que cette audience, il y a l'élo, Isaki. Et basé sur Nini, et puis conclusion Nini aussi, ma sortie à l'audience, c'est par rapport à la défense que vous savez pour notre client. Bon, je suis avocat, papa journaliste, je vais vous expliquer ce qui se passe. Parce que déontologiquement, tu as fait une fonte dans l'explication. Mais du moins, il y a un dossier à M. Perry, à la propriété et immeuble Mauve Awa, à l'avenue de la paix numéro 8, dans la commune de la Gombe, immeuble dit Hôtel des Poules. Il y a un réseau de gens qui ont arraché. Immeuble naïe, baillé à un tribunal de jugement moraux par défaut contre yé, pourtant il habite l'Europe. Elle a yoki que jugement moko yaki rendu à par défaut contre yé, yango yaye, quoi cela?
opposition. Et sur base de l'opposition, c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est le cas qui est là. Le tribunal des gens en délibéré, tout c'est là. Tout là, c'est un tribunal que le Pangouana est à M. Perry et que nous sommes en Mayuya, en Kobatama, que c'est à Liango en violation de la loi. Et j'ai battu bajo luka ba arraché ba botolaye moi immeuble n'est encore j'en a gombé moi jalousie wana donc grosso modo c'est un peu ça les dossiers voilà question monsieur Chejali le cola tribunal agit en faire à délibérer en plus votre client on le dit hasard le colo Oui. Que l'état de droit, c'est-à-dire que soumission et emboîtement, surtout dans le Kamboka. Je pense que nos juges qui sont aguerris vont prendre une décision sévère au Bako rattracter, annuler le jugement qui est rendu par défaut. Et puis je pense que le jugement est conforté, surtout parce que je promouvoir la vision chef de l'État sur l'état des droits et puis voilà les procès équitables. Donc c'est un peu ça. Toujours ça l'effort que Mme Otomoni, la défunte Mme Otokoufa Yvonne, m'a bien pour Nanda Kounaye. Et bandé la maté pour un dossier Oyo. Nous avons que tout est bien avant, c'est comme ça que tu rends dans le pays public, dossier Oana et Rodera Malamou, paix, justice et Rizala rendu. Merci beaucoup. Pananga, moni sanga loboko na yo. Na yipa na yo, mo santo yo, moni sanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale. Zamba lolo yo, azo sale. Azo sale ya na yipa na yo apananga moni sanga loboko na yo na yipa na yo mosantu yo moni sanga loboko na Azo sale langa Yesu oh sale langa Yesu Alléluia Yesu azana pour moi Tomba bana Jesus Kumbamba Tirobo Yesu na mingi na tatu na Yesu Papa na mingi na temu nye Sama nye Nape na tatu na bosa mbena yo Yesu abato Yoka bose nga nanga Zamba kabasa ye Yoka shije nanga ye Zamba nye Na ye na papa sinanga Bosa bosa mbena yo Na ye na kosa nga nanga Bosa bosa mbena yo Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Bundelanga Yesu, Yesu. Bundelanga Yesu, Yesu. Bundelanga Yesu, Yesu. Bundelanga yo.
Alléluia.